Et salut tout le monde, c'est Diablo et aujourd'hui on se retrouve sur le 10e épisode sur le let's play de Carmageddon. Et aujourd'hui, comme je l'avais prédit depuis plusieurs courses déjà, on se retrouve dans la neige, mais cette fois-ci de nuit, pour une nouvelle course. Et cette fois-ci, cette course-ci va avoir comme joueur opposant Vlad avec son Annihilator. Les Fergrim avec leur sorte de corbillard. Encore lui avec sa coccinelle. Ah, un nouveau, Ivan le Bâtard. Enfin, un nouveau, je sais pas du tout si on l'a déjà vu. Il me semble pas. Ah, un nouveau type d'opposant. Celui-ci est un peu chaud à détruire parce que les compacts. Et à chaque fois qu'on fonce dans son véhicule, une fois sur deux, on part dans le décor, parce que ça sert un petit peu de tremplin son véhicule aussi. Donc je l'ai pas dit la course d'avant, mais j'ai repris le véhicule de base, hein. De toute façon vous l'avez bien vu, parce que je suis plus habitué à le conduire que les autres, même si celui-là de le véhicule de Red 120, là, la sorte de Peugeot, elle est pas mal, mais bon je préfère conduire celui-ci pour le moment. Voilà. Donc là on voit directement que le tracé n'est pas tout le même que celui-là du troisième circuit. C'est de nuit déjà, hein, on voit bien. Voilà, et puis on va essayer de voir un peu ce que on peut faire dessus. Sachant que là j'hésite à... Je vais voir comment je me démerde, mais peut-être que je finirai cette fois-ci la course. Ouais, vu comment c'est parti en plus. J'essaie de boucler les 4 tours plutôt que de détruire le joueur avec son 2-4-4 là. Ça, celui-ci là. Ouais, déjà ça fonce sur moi. Bon, ça va, ce type de véhicule là c'est assez simple à détruire, mais le nouveau là il est plus dur. En plus, on l'a vu la course précédente, j'ai mis un peu plus de temps que les autres à le détruire. Bon, c'est faisable, hein, mais il faut s'y reprendre plusieurs fois. Lui par contre, pas dans sa bouille. Allez, hop, voilà. Yeah.
sorry, say a prayer. Yeah. Ouais, ça peut, c'est plus simple de lui infliger des dégâts à lui, je trouve. Par rapport à l'autre. La course précédente. Sa tête, ça varie aussi en fonction des véhicules aussi. Donc là, encore un bonus qui est sympa. Ça gèle les opposants. C'est des circonstances vu qu'on est dans la neige. Il y a un peu flic. Alors, ça on l'avait pas. La course d'avant. Enfin, la course. La première course dans la neige. On sort de la carte. Et ouais, il y a juste ça. C'est rien. Ah, et là, ils me suivent tous. Ouais, je lui affiche plus de dégâts que l'autre. À peine je touche, ça fait mal. Ah!
Ah, et pas là cette fois-ci. Bonus. Bon, et puis merde, allez, hop. C'est pas grave. Ha ha ha!
Et voilà. Il n'y a plus que Vlad. Et voilà. Hop. C'est torché. Dixième épisode. Terminé. En remerciant d'avoir visionné déjà les 10 premiers épisodes. Alors désolé, hein, j'ai pas énormément parlé cette fois-ci encore. Mais bon, entre le rhume et la toux. Surtout, j'ai pas grand chose à dire de exceptionnel, hein, donc voilà. Merci à tous et à la prochaine.